Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la future carrière de Ryan Cherki. Et oui, cette pépite dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Alors je vous arrête tout de suite, non, Cherki n'est pas dans le jeu. J'ai décidé de le créer de A à Z en essayant de me rapprocher au maximum de la réalité. Il aura donc 72 de général. Merci à ceux qui m'ont aidé d'ailleurs sur Discord pour décider de ses stats. Bon, là vous voyez qu'il a 15 ans, hein, c'est normal, c'est parce que la carrière débute en juillet 2019. Et comme il a eu 16 ans en août 2019, ceci explique cela. Au niveau de ses attributs, il a 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied. Au niveau physique, 79 d'accélération et 83 d'agilité. Et enfin, au niveau technique, je lui ai mis 83 en conduite de balle et 81 en dribble. C'est parti pour sa future carrière. C'est la fin de la première saison et au classement, Lyon a fini 5e de Ligue 1 derrière l'Olympique de Marseille. En Coupe de France, les Lyonnais ont été sortis par le PSG en demi-finale 2 buts à 1. En Coupe de la Ligue, c'est aussi Paris qui a sorti Lyon, mais cette fois au deuxième tour et au tir au but. Et pour finir, l'Olympique Lyonnais a été reversé en Europa League et est éliminé par Lille en 8e de finale 3 buts à 2. Ryan Cherki qui passe à 73 de général, un match joué seulement, pas de but, pas de passe D, hein, 5,90 de notes, donc rien de flamboyant pour le moment. 83 d'accélération, désormais 87 d'agilité sur le premier volet. Et de l'autre côté, bah, on a eu peu d'augmentation hein, pour ses meilleures stats, à part l'effet qui est désormais à 75. C'est la fin de la deuxième saison et au classement, l'OL a fini deuxième de Ligue 1 juste derrière le PSG. Le PSG qui a d'ailleurs sorti l'OL en Coupe de France 2 buts à 1 en 16e de finale. En Coupe de la Ligue, c'est Lille qui a sorti Lyon en 8e de finale 2 buts à 1. Et les Lyonnais qui ont fait un beau parcours en Europa League mais ont été arrêtés par le PSV en demi-finale au tir au but. 75 de général désormais pour Cherki, 13 matchs joués, pas de but, pas de passe D, une note moyenne de 7,10. Il a désormais 96 en agilité déjà, pas mal, hein, 87 en vitesse, de l'autre côté 84 en conduite de balle et 84 en dribble. Nous sommes au bout de la troisième saison et au classement, Lyon a fini deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. En Coupe de France, l'OL a été sorti par le LOSC en 8e de finale 1-0. En Coupe de la Ligue, c'est Monaco qui a battu Lyon au deuxième tour 1-0. Et en Ligue des Champions, les Lyonnais ont été sortis par l'Atlético Madrid en 8e de finale 4 buts à 1. 77 de général pour Cherki, 17 matchs joués, 2 buts marqués, pas de passe D, une note moyenne de 7,20. 97 d'agilité désormais, 88 de vitesse. Et de l'autre côté, il a 85 en conduite de balle et 85 en dribble. C'est la fin de la quatrième saison et au classement, l'OL a fini deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, mais a été sorti par Monaco en quart de finale de Coupe de France 2 buts à 1, mais aussi au deuxième tour de Coupe de la Ligue par Valenciennes au tir au but. Et là, à ma grande surprise, Lyon qui est allé jusqu'en finale de Ligue des Champions et a perdu au tir au but contre Manchester City. Incroyable parcours des Lyonnais, 79 de général désormais pour Cherki, 59 matchs joués, 4 buts marqués, 5 passes D, une note moyenne de 7,30. Il a désormais 98 en agilité et 89 en vitesse sur le premier volet. Et de l'autre côté, il a 86 en conduite de balle et 86 en dribble. Ça y est, la cinquième saison vient de se terminer et au classement, Lyon a fini deuxième de Ligue 1 encore une fois derrière le PSG. En Coupe de France, c'est Montpellier qui a sorti l'OL en 8e de finale 1-0. En Coupe de la Ligue, les Lyonnais ont été sortis par Lorient au deuxième tour 2 buts à 1. Alors qu'en Ligue des Champions, Lyon a été reversé en Europa League et a été éliminé par Fenerbahçe en 16e de finale 3 buts à 1. 80 de général désormais pour Cherki, 48 matchs joués, 6 buts marqués, une passe D, 7,10 de note, 87 d'accélération et 90 de vitesse sur le premier volet. Et de l'autre côté, la conduite de balle qui suit toujours les dribbles avec une stat de 87. Nous sommes arrivés au terme de la sixième saison et au classement, Lyon a fini 3e de Ligue 1 cette fois derrière le LOSC. En Coupe de France, ce sont ces derniers qui les ont battus 2 buts à 1 en quart de finale, mais aussi en Coupe de la Ligue, 2 buts à 1 en demi-finale. Et les Lyonnais ont atteint les quarts de finale de Ligue des Champions, mais c'est l'Ajax qui les ont sortis, 1-0 pour les Hollandais et 82 de général désormais pour Cherki. 58 matchs joués, 11 buts marqués. 11 passes D, c'est pas mal, 7,52 notes. Il a désormais 99 d'agilité et 91 de vitesse sur le premier volet. Et de l'autre côté, la conduite de balle qui est à 90, tout comme les dribbles. C'est la fin de la 7e saison et au classement, Lyon qui a fini 2e de Ligue 1 derrière le PSG. En Coupe de France, c'est le LOSC qui a sorti les Lyonnais en demi-finale 2-0. Et en Coupe de la Ligue, par contre, c'est le Stade de Reims qui les ont battus 2-0 en quart de finale. Alors qu'en Ligue des Champions, l'OL a été éliminé par Naples en 8e de finale. 84 de général pour Cherki, 44 matchs joués, 11 buts marqués, 6 passes D délivrées, note moyenne de 7,50. Il a désormais 89 d'accélération et 92 de vitesse sur le premier volet. Et de l'autre côté, la conduite de balle qui est à 92 et les dribbles à 91. Et après cette 7e saison, il est transféré en Première Ligue. C'est Chelsea qui le recrute pour 40 millions d'euros.
C'est la fin de la 8ème saison et au classement nous en finis 6ème de Premier League derrière Everton. En FA Cup on a été sorti par Bournemouth au 5ème tour au tir au but. En Carabao c'est aussi ces derniers qui ont sorti Chelsea au 4ème tour 1-0 alors que Chelsea n'était pas européen cette saison. 85 de général désormais pour Cherki, 37 matchs joués, 7 buts marqués, 6 passes D, délivré notre moyenne de 7,20. Il a désormais 90 en accélération et 93 en vitesse, et de l'autre côté il a 94 en conduite de balle et 92 en dribble. C'est la fin de la 9ème saison, et au classement nous en finis 6ème de Premier League derrière Arsenal. En FA Cup on a été sorti par Hull City au 6ème tour 2 buts à 1, en Carabao c'est Liverpool qui nous a sorti au 3ème tour au tir au but, mais nous avons gagné l'Europa League 3 buts à 1 en finale contre Schalke, enfin un trophée pour Cherki, alors qu'à l'Euro 2028, Cherki a été sélectionné avec la France et cette dernière a été éliminée par le Portugal en quart de finale 2 buts à 1, 87 de général désormais pour Cherki, 58 matchs joués, 12 buts marqués, 9 passes D délivrées, notre moyenne de 7,50 et il a 92 d'accélération et 87 de réactivité sur le premier volet. Et de l'autre côté, il a 97 en conduite de balle et 94 en dribble. Et après cette 9ème saison, et oui, seulement 2 ans joués à Chelsea, il est transféré au Real Madrid pour 65 millions d'euros. Je l'ai vu dans une interview dire qu'il rêvait d'aller au Real Madrid. C'est pourquoi j'ai choisi ce club pour la suite de la carrière de Cherki. C'est la fin de la 10ème saison, désormais en Espagne, alors qu'au classement, eh bien, le Real a fini premier de Liga devant le Barça. En Coupe d'Espagne, on était sorti par ces derniers, justement en quart de finale 1-0. En Ligue des Champions, on a été éliminé par le LOSC en demi-finale, 2 buts à 1. Lille qui a d'ailleurs gagné cette compétition. 88 de général pour Cherki, 37 matchs joués, 6 buts marqués, 2 passes D, délivré une note moyenne de 7,50. Il a désormais 93 d'accélération et 95 de vitesse sur le premier volet. Et de l'autre côté, il a 98 en conduite de balle et 95 en dribble. Et c'est la fin de la 11ème saison. Au classement, ils ont fini 3ème de Liga derrière le Barça. En Coupe d'Espagne, on a perdu en finale contre le Barça 2 buts à 1, alors qu'en Ligue des Champions, on a été sorti par la Juve en quart de finale 3 buts à 2. Et à la Coupe du Monde de 2030, la France a été éliminée en quart de finale 2 buts à 1 contre l'Espagne. 89 de général pour Cherki, 59 matchs joués, 12 buts marqués, 10 passes D, délivré une note moyenne de 7,60. Il a désormais 99 de vitesse et 79 de placement offensif. Et de l'autre côté, il a 90 de finition et 88 de passe longue. Ça y est, la 12ème saison vient de se terminer et au classement, nous avons fini premier de Liga devant l'Atlético Madrid. En Coupe d'Espagne, on était sorti par ces derniers en quart de finale 2-0. En Ligue des Champions, c'est le PSG qui nous a éliminés en demi-finale 4 buts à 3. 90 de général désormais pour Cherki. 46 matchs joués, 17 buts marqués, 15 passes D délivrées, une autre moyenne de 8. Il a désormais 89 de réactivité et 82 de placement offensif sur le premier volet. Et de l'autre côté, il a 93 de finition et 91 en passe longue. Ça y est, la 13ème saison vient d'arriver à son terme et au classement, nous avons fini premier de Liga devant l'Atlético. En Coupe d'Espagne, on a perdu en finale contre Bilbao au tir au but. En Ligue des Champions, encore pas de chance puisqu'on a été sorti par l'Inter en demi-finale par la règle des buts à l'extérieur et à l'Euro 2032, la France ne s'est pas qualifiée en quart de finale en finissant 3ème de son groupe derrière le Portugal et les Pays-Bas. 91 de général pour Cherki désormais, 62 matchs joués, 33 buts marqués, 27 passes D délivrées, une très grosse saison, 8,40 de notes. Il a désormais 94 d'accélération et 83 de placement offensif sur le premier volet. Et de l'autre côté, il a 98 en finition et 94 de passe longue. C'est la fin de la 14ème saison et au classement, nous avons fini premier de Liga devant Bilbao. En Coupe d'Espagne, on a perdu en finale contre le Celta Vigo au tir au but, mais nous avons gagné la Ligue des Champions. 2 buts à 1 en finale contre la Juventus, enfin une LDC gagnée. 91 de général toujours pour Cherki, 47 matchs joués, 13 buts marqués, 18 passes D délivrées, une autre moyenne de 8,20. Rien n'a bougé au niveau physique et de l'autre côté on a les passes courtes qui sont passées à 89 et les volées à 75. C'est la fin de la 15ème et dernière saison. Au classement nous avons fini premier de Liga devant Villarreal. Nous avons gagné la Coupe d'Espagne 3-0 en finale contre Osasuna et la Ligue des Champions aussi remportée. 4 buts à 1 en finale contre Naples et Cherki qui entame sa baisse puisqu'il passe à 90 de général. 67 matchs joués, 24 buts marqués, 16 passes D délivrées, une note moyenne de 8,20. On a des premières baisses au niveau physique tout comme au niveau technique. Et voilà, c'est la fin de cette future carrière sur Cherki. J'espère qu'elle vous a plu, il aura atteint 91 de général. N'hésitez pas à donner votre prédiction pour son potentiel. Moi, je sais plus combien j'avais mis de base, parce que vous savez, il y a le potentiel dynamique. Je crois que j'avais mis un 90. Dans cette carrière, j'ai quand même été surpris par le manque de stats, que ce soit au niveau but et aussi au niveau des passes décisives. Mais finalement, c'était un petit peu mieux quand même sur la fin avec le Real Madrid notamment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Maestro. Ciao.